Leurs poussées sont synchronisées, au millimètre. Le résultat d'années d'entraînement en commun, jusqu'à cette première sélection en équipe de France de roller, catégorie jeune. Lucas et Hugo ont chacun leurs points forts et leurs préférences au niveau des courses pour les prochains championnats d'Europe. Vu que je suis plus un fondeur, j'aime les grandes distances et la spécialité course à point, c'est ce qui me plaît le plus. Et c'est là où je me sens le mieux. C'est là où j'ai fait mon titre de champion de France. Et puis ce sont des courses plus stratégiques, avec plus de tactique de course et d'intelligence de course. Quoi. Lucas a 16 ans, un an de moins qu'Hugo. C'est le sprinter de l'équipe. Il n'a plus quitté ses rollers depuis son 4e anniversaire. Cette passion pour la glisse les a rapprochés. Aujourd'hui, leur histoire s'écrit sur 8 roues, en bleu, blanc, rouge. Oui, c'est la tunique. Bah, c'est une fierté. C'est important. On représente notre pays et c'est important. C'est mon premier championnat d'Europe. Du coup, on veut vraiment faire quelque chose. Et c'est excitant de se dire qu'on va être au meilleur de son continent. Les deux sportifs ne comptent pas leurs heures d'entraînement pour atteindre ce niveau. 12 heures par semaine, 6 jours sur 7, en plus de leur scolarité. Cette piste de Saint-Pierre-lès-Elbeuf est leur seconde maison. Oui, on peut dire qu'au club, on est une grande famille. Et même si on est un sport individuel, on peut comparer ce sport au cyclisme où on s'entraîne en communauté. Il y a l'effet d'aspiration, etc. Et en gros, on est un groupe et c'est émulateur, quoi. Les championnats d'Europe de roller junior débutent vendredi à Ostende, en Belgique. L'objectif pour Lucas et Hugo, ramener des médailles en Normandie et, si possible, l'or.